Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, recette d'apéritif et suite de mon calendrier de l'Avent de Noël, on va faire ensemble du vin chaud, classique, indémodable et surtout super bon. Pour cette recette, il va te falloir 75 cl de vin rouge, une orange, une badiane, un demi-ananas, de la noix de muscade, un bâton de cannelle et 20 cl de sirop de sucre de canne. La première étape de notre recette, on va le faire avec de l'ananas parce que ça reste de saison et je trouve que ça va très bien avec le vin et l'orange. Donc j'ai pris un demi-ananas à peu près. Hein. Hop, je le pèle à vif. Et je le coupe en petits morceaux. Je fais la même chose avec l'orange, je la coupe et je vais garder ma pulpe et ma peau. Une fois que mes fruits sont découpés, je prends mon vin rouge. Essayez de choisir un vin rouge plutôt fruité. Je le mets à chauffer mais plutôt doucement avec ma cannelle, ma badiane et mon sirop de sucre de canne. Je vais rajouter mes agrumes, enfin mes agrumes, mon agrume plutôt. Hop, mon orange avec la peau. Et mon ananas. On n'oublie pas la noix de muscade. Et là, je vais laisser frémir environ 2 minutes, vraiment très rapidement. Et ensuite, on pourra déguster. Ma recette de vin chaud est terminée, je vais pouvoir déguster. Non, j'aime bien l'ananas, bien l'orange, c'est parfait. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est dans la barre d'infos, comme la recette. Très bonne journée et à demain.